Des élections législatives se sont tenues en Corée du Nord le 9 mars 2014 afin de renouveler l'ensemble des 687 sièges de l'Assemblée populaire suprême au suffrage universel direct à l'issue d'une législature de 5 ans. Si les élections ne sont généralement pas considérées comme démocratiques et si l'Assemblée, dépourvue de tout réel pouvoir, ne se réunit que rarement, les élections sont suivies à l'étranger dans l'espoir d'y déceler des glissements dans l'équilibre du pouvoir au sein de l'élite de cette nation fermée au monde extérieur. Section 1. Contexte. Ces élections sont les premières depuis la mort en décembre 2011 du secrétaire général de la Commission centrale Kim Jong-il, chef suprême de facto du pays, et l'accès au pouvoir de son fils Kim Jong-un, âgé d'une trentaine d'années. Elles font suite également à l'exécution en décembre 2013 de Jang Song-taik, oncle de Kim Jong-un, et souvent considéré comme le numéro 2 du régime, accusé de trahison. Ainsi, cette élection permet à Kim Jong-un d'offrir des promotions à ses loyalistes, d'écarter certaines personnalités politiques et de renforcer son pouvoir. En février, un mois avant l'élection, l'Organisation des Nations Unies publie un rapport accusant le gouvernement nord-coréen de très graves violations des droits de l'homme, notamment au travers de camps où les prisonniers politiques seraient sujets à des famines délibérées, au travail forcé, à des exécutions, à la torture, au viol et au refus des droits de reproduction appliqués par des punitions, des avortements forcés et des infanticides, et où des centaines de milliers auraient péri. Pyongyang dément. Section 2. Système politique et électoral. En principe, l'Assemblée populaire suprême est l'organe le plus puissant du gouvernement. En pratique, il ne se réunit que quelques jours par an pour ratifier automatiquement les décisions prises par le Parti du Travail de Corée. Le pouvoir réel est exercé par le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre Park Pong-ju, par le Comité de la Défense nationale que préside Kim Jong-un et par le Politburo du Comité central du Parti du Travail que dirige également Kim Jong-un. Kim Jong-un est encensé par un culte de la personnalité. La Corée du Nord est généralement considérée comme un État totalitaire où toute contestation du régime est brutalement réprimée. Nommément, il existe plusieurs partis politiques, mais ce pluripartisme n'est qu'une façade. Tous reconnaissent l'autorité du Parti du Travail et sont assemblés avec lui en un front démocratique pour la réunification de la patrie. La Constitution dispose dans son article 11 que la République populaire démocratique de Corée déploie toutes ses activités sous la direction du Parti du Travail de Corée, tandis que l'article 10 dispose que le pays s'appuie sur l'unité politique et idéologique du peuple entier. Le pays est divisé en 687 circonscriptions, élisant chacune un député. Le droit de vote s'acquiert à l'âge de 17 ans, qui est également l'âge minimal pour se présenter aux élections. Il y a un seul candidat par circonscription. Officiellement, des réunions d'électeurs ont lieu dans toutes les circonscriptions du pays pour la désignation des candidats. Les commentateurs pensent majoritairement que la plupart des candidats sont triés sur le volet par les autorités et par le Parti du Travail de Corée. Pour les élections de 2014, Kim Jong-un est désigné candidat dans la 111e circonscription, correspondant au mont Paektu à la frontière chinoise. Cette montagne est traditionnellement considérée comme sacrée et est décrite dans la propagande nord-coréenne comme le lieu de naissance de Kim Jong-il, né en réalité dans un camp de réfugiés en Union soviétique. C'est la première fois que Kim Jong-un se présente aux législatives. Le candidat est élu s'il obtient la majorité absolue des suffrages dans sa circonscription et si le taux de participation y est d'au moins 50%. Officiellement, l'élection se déroule à bulletin secret. Mais une personne souhaitant voter contre l'unique candidat sélectionné pour sa circonscription doit rayer son nom sur le bulletin dans un isoloir spécial, un acte de rébellion quasiment impensable. L'abstention n'est pas tolérée non plus, ce qui permet aux autorités d'utiliser les élections comme une forme de recensement et d'identifier d'éventuelles défections. Ainsi, des fonctionnaires chargés de l'organisation de l'élection se rendent dans chaque foyer pour s'assurer de la présence ou de l'absence des électeurs inscrits. Si une personne ayant fui à l'étranger est identifiée comme absente, sa famille, restée au nord, risque de graves punitions. C'est pourquoi de nombreux Nord-Coréens partis en Chine reviennent, au péril de leur vie, simplement pour voter. Par ailleurs,
Des urnes mobiles sont prévues pour que les malades ou infirmes, ne pouvant pas se déplacer, puissent voter. En conséquence, les autorités affichent, lors de chaque élection, un taux d'approbation populaire de 100% pour chaque candidat, ainsi qu'un taux de participation de près de 100%. Section 3. Préparatifs et déroulement. Les affiches de propagande indiquent aux électeurs de voter oui. Les autorités font produire et diffuser des poèmes célébrant l'acte de voter. Des représentants des autorités visitent des usines, des fermes coopératives, des ouvriers sur leur chantier pour, selon l'agence de presse officielle KCNA, expliquer aux électeurs le sens de l'élection, la puissance invincible du gouvernement de la RDPC et les avantages et la vitalité de son système électoral. Durant cette période de campagne électorale, les Nord-Coréens parviennent à informer les médias étrangers d'actes de défiance commis par des opposants au régime qui endommagent ou déchirent des affiches électorales. Ces actes d'opposition provoquent un déploiement temporaire de patrouilles militaires dans certaines parties du pays. Le jour de l'élection elle-même, les autorités organisent des divertissements publics dans la capitale, Pyongyang, afin de générer une atmosphère festive. Section 4. Résultats. Les autorités annoncent un taux de participation de 99,97% et que 100% des électeurs ont voté en faveur des candidats sélectionnés. Plusieurs proches de Jiang Tong-sai ont été exclus, mais sa veuve, Kim Kyung-hui, tante de Kim Jong-un et l'une des figures importantes du régime, a été autorisée à conserver son siège. De même, deux anciens proches de Jiang restent députés, Ji Jae-hyung, ancien ambassadeur en Chine, et Kim Yang-gon, chargé des relations avec la Corée du Sud. Cho Ryong-hae, vice-président de la commission militaire du parti, est réélu lui aussi, malgré des rumeurs suggérant avant l'élection qu'il aurait lui aussi subi une purge. Parmi les autres personnalités élues, le premier ministre Park Pong-joo, Kim Won-hong, chef des services de renseignement, Cho Pol-hee, chef de la police, et Jang Jong-nam, ministre des forces armées. Fin de l'article.